Quelles sont les trois qualités d'un bon restaurant ? Bonne nourriture, portions honnêtes et pas trop cher. Si vous allez dans un restaurant diététique, vous êtes sûr que ces trois critères sont à oublier. Bon, alors on va manger un burger ou du poulet ? Oh, regarde, il y a un petit restaurant diététique. Ah, non, pas un restaurant diététique. Mais ils ont des bonnes choses. Non, j'ai pas envie de manger du gazon. Mais ils ont aussi de la viande. Ouais, tu parles, ils te servent des cuisses de moineau. Allez, viens. Ah, calais. Regarde si c'est charmant. Ah, ça schlingue, c'est l'enfer. Et je pleure à chaudes larmes sur le plancher. Dis donc, il a le moral, ce chanteur. Yes, quel tonus, écoute cette joie de vivre. Toi, la poésie, ça ne t'a jamais accroché. Bah, ça pourrait peut-être m'accrocher sur une corde. Parce qu'il est con. Bonjour, est-ce que vous allez vous asseoir ici? Ouais, mademoiselle, vous auriez pas d'autre disque que celui-là? Quoi, vous n'aimez pas? Vous aimez ça, vous? Eh ben, moi, je trouve que ce qui chante, ça vient de l'intérieur. Eh ben, ça aurait dû y rester. Je vais changer. Tiens, regarde, on pourrait commencer par une assiette de crudité. Ouais, si j'aime pas ça, moi, est-ce qu'ils vont me le créditer? Tiens, et en plus, il y a un petit menu du jour. Carré d'agneau dans sa sauce et comme dessert, aspic au litchi dans son coulis. Me taperais bien un petit bolino dans sa boîte, moi. Alors, vous avez choisi? Ouais, mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire, sandwich sudiste vert? C'est le sandwich aux fèves rouges avec fromage bleu servi sur pain noir. Et qui c'est qui va être vert là-dedans, c'est moi? C'est parce qu'il y a une petite salade. Bon. Et votre salade du jour? C'est une salade d'endive. Bon, et ben foutons le camp, qu'est-ce que t'endives? Je vais prendre l'assiette de votre jardin. Et c'est quoi ça, une pelletée de terre? Tu veux bien te la fermer? Monsieur va prendre une salade? Ouais, apportez-moi la plante. Là-bas. Est-ce qu'il y a un bar à salade? Non, il n'y en a pas. C'est pas grave, on va aller dehors et on va se tailler un arbuste. On a aussi la pâte en croûte végétarienne. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez le monsieur là-bas, c'est ce qu'il mange. Putain, on dirait qu'il a nettoyé sa tondeuse dans son assiette. Donc tu vas te décider, oui? Je prends pas d'entrée. Je reviens tout de suite. Tu sais ce qu'on devrait s'acheter? C'est un livre de recettes végétariennes. Compte sur moi. Ben quoi? Comment préparer les amanites phalloïdes? Ah, tu fais chier. Burger végétarien. Prenez de l'herbe et faites-vous un bon herburger. Vraiment, je prendrai un bon steak naturel, s'il vous plaît. Oui, quel buisson? 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.